Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du championnat 2014 sur le Grand Prix de Singapour que nous n'avons jamais fait sur la chaîne. J'espère surtout qu'il ne pleuvra pas parce que ça va être un enfer. Et on va du coup se lancer pour les qualifications. Je ne sais absolument pas dans quelle position on est en termes hiérarchiques sur ces essais. Donc on verra en qualification ce que ça va donner. Je vais garder un setup par défaut qui, je pense, fera le bon mix entre les lignes droites qui sont assez présentes et les virages à angle droit. Je n'aime pas une partie du circuit, vous allez vite comprendre pourquoi. Car il y a un virage qui est complètement en aveugle en fait. Il y a le prolongement du sponsor Pirelli qui fait qu'on ne sait pas quand démarre le virage à droite. Et le pire dans l'histoire, c'est que le truc que l'on voit donne l'impression que le virage est plus loin alors que c'est absolument pas le cas. Allez, c'est parti pour un tour chronométré. Évidemment, on est dans la nuit, hein, c'est une des particularités du tracé. Je me demande si le son est assez fort, on va peut-être le monter un peu quand même. Je crois que c'était 6 qu'il fallait, je sais plus. On va remonter un peu le son. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est ici justement ce virage, vous voyez à droite. Si vous regardez au loin, vous allez vous référer au sponsor et en fait, bah, il faut pas. Déjà en retard. Et on va arriver dans la dernière portion, dans les deux, le double gauche. Et on va partir sixième, c'est pas mal. 1,4 seconde d'écart, je pensais qu'on allait vraiment se prendre une cartouche, mais pas du tout. On partira du coup directement dans le top 10, ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on a les deux Mercedes comme d'habitude. Ensuite, Ricciardo, Vettel, Alonso. Nous-mêmes, Raikkonen, Magnussen, Bottas, Sergio Pérez. Alors ça c'est pas mal parce que honnêtement c'est un circuit où c'est difficile de dépasser. Mais on peut faire 4 millions d'erreurs donc il faudra quand même faire gaffe. Donc Coéquipier par 17ème. On verra comment ça se passe. J'ai un peu peur que ça soit un carnage hein, cette course, on verra bien. En tout cas on va garder la même setup, c'est-à-dire dur au début, tendre après. Je pense que c'est toujours le meilleur setup en tous les cas dans ce format de course. Donc allez c'est parti. On va du coup partir en abscient. Bon, apparemment il pleut pas, donc ça c'est bon, ça donne une bonne nouvelle. Donc on va partir en option, qui sont les médiums. Ça, hein? Attendez. Non, on va partir en prime. Voilà. Hop. Je lui fais un post-it hein, à gauche. Vous le voyez pas, mais. J'en ai tellement marre. Et l'arrêt, donc il y a 15 tours, l'arrêt au 9e tour. 9, 16. Ouais, je pense que ça devrait tenir. Allez, on va faire back. Et on va démarrer la course. Go the track. Allez, des points à aller chercher pour cette course. Fait m'étouffer. Et je trouve le jeu assez sombre sur ce circuit. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière évidemment parce qu'on est en pleine nuit, mais je m'attendais pas à ça.
Allez, départ correct, ça c'est bien. Ah, la Mercedes à l'intérieur là. Oh, attention parce qu'il y a du monde derrière. Oh là 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 là. Hop 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 hop. Bon, ils sont. Oh, l'avantage c'est qu'on voit bien leurs pneus. Hein. Allez, on s'impose à l'intérieur. Je pensais qu'on était deuxième, mais en fait, on est déjà des pilotes qui ont passé la partie du circuit. Bon, là, ça va être compliqué. Allez. On est donc troisième. Pour le moment, Ricciardo est devant nous. C'est tellement sombre. C'est beaucoup plus difficile de tourner avec ces gommes, bien sûr. Alors j'ai changé de manette, au passage. Donc faut que je m'en habitue, honnêtement. Je pense qu'on n'aurait pas trop à avoir de bugs maintenant. Alors, pour l'instant le DRS n'est pas actif. Et c'est Alonso qui s'est interposé pour passer à la quatrième position. Oh, devant, ça s'est totalement éloigné. On les entend vachement bien, les coups de frein, les dérapages sur le circuit. On me semble qu'il y a une petite réverbe. Attention de pas couper le circuit. Je pense pas qu'on va s'amuser à changer les alimentations, parce que sur ce genre de circuit, on n'a pas trop le temps de faire ça. Enrichissement de l'essence, plutôt. On va faire gaffe aussi à l'entrée des stands. Alors la bonne nouvelle c'est que Alonso ne nous rattrape pas. Malgré les pneus temps. Ça c'est vraiment important. Il suffit que je dise ça pour qu'il nous rattrape. Bon.
Je pense qu'il est encore en dessous de la seconde, mais... Ouais, 1 seconde 4. Elle est bien revenue là. Elle va avoir le DRS. Ouais, ça recolle bien là. Ils ont augmenté leur rythme. On est au quatrième tour pour le moment, les 15 à faire. Et pour une fois, on l'a pas trop mal prise. Cette chicane. Allez, oula, le mur par contre. Cette chicane qui n'existe plus maintenant. Hein. Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça cassait pas mal le rythme, je trouve, du dernier partiel. En fait, qu'il l'a enlevé, c'est quand même bien. Et on se souviendra tous de la chicane de l'époque, la création des circuits. Avec ce pif-paf gauche-droite-gauche-droite, là. C'était super compliqué pour les suspensions. Quand on se loupait, c'était quasiment impossible de s'en sortir. J'ai raté ma sortie, mais devant, derrière ils ont. Derrière ils se sont ratés, donc ça c'est bien. Et moi aussi d'ailleurs, au passage, je me suis raté. Pour éviter de faire des erreurs, je suis un peu lent là, je fais n'importe quoi. Puis je dis ça pourquoi voilà, on m'en rattrape. Oh, il est loin là, Alonso. Ouais, complètement à l'intérieur, un peu trop.
Ouais, il est en train de mettre la pression de plus en plus. Voilà, j'ai raté la corde. Me demandais où il était Vettel. Ça va s'arrêter derrière. Bon, ils sont contents, tout le monde s'est arrêté, à part Ricardo. En tout cas pour les pilotes devant nous. Dit, on est dans la gamme de gomme la plus lente, donc c'est normal qu'on soit plus lent, mais ils sont contents du rythme. Ah, le corner, attention. On va peut-être prendre une pénalité. Le prochain ralentissement, je pense qu'on se prend une péna. Ça commence un peu à glisser. Crois que Ricardo est au stand. Ouais, c'est ça. Il est rentré au stand, donc on va être en tête de la course. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on est en tête d'un Grand Prix. Voilà, c'est ce que je voulais pas faire, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce que je voulais pas faire, c'est rater le virage en me trompant de. En me trompant. Et voilà, c'est arrivé. Bon, voilà, du coup, on a perdu tellement de temps qu'on va ressortir très 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 loin. Ça, c'est pas bon du tout. Ce qu'il fallait absolument pas faire, voilà. Il est déjà revenu derrière. Aïe aïe aïe. On a perdu 12 secondes. 12 secondes, c'est large pour perdre au moins 4 positions, je pense. Prochain tour, on va demander les options.
quand même essayer de faire un tour correct. Avant de rentrer au stand. Ça existe de partout. Alors, on rentre dans le stand. Et on n'a pas eu tellement de temps. Voilà, on va dégringoler. On va la passer, ça c'est sûr. Magnussen aussi, normalement. Ok, allez, Hülkenberg devant nous. On est dans un, ouais, dans un groupe là. On va faire un petit peu attention avec les pneus froids. On a les meilleures gommes, donc là on devrait pouvoir s'en sortir. Je voulais le piquer au freinage, mais non. Le dépassement à l'extérieur, limite illégal, quoi. Et devant, c'est Rosberg. Oula, Rosberg, par contre, aller chercher, ça va être compliqué. On va quand même essayer. Ok, donc ils ont augmenté leur régime pour pouvoir aller plus vite. C'est pas grave, on va quand même essayer de remonter.
ça tourne tellement mieux. Et l'avantage, c'est que Rosberg est bloqué. Donc j'ai l'impression que si on peut dépasser Rosberg, on peut en profiter. Ouais, le temps qu'on a perdu, c'est quand même beaucoup de place, hein. Non, c'est pareil qui arrive toujours Rosberg. Allez, Rosberg à l'intérieur, c'est bon ça. Ah, c'est Magnussen qui est bouchon. C'est-à-dire que si j'arrive à prendre Magnussen, on peut être tranquille. Peut-être pas quand même. Oh si, c'est bon. Ouf. Bon, je me suis raté l'accélération, attention. Oh, on s'est touché. Et bien voilà, Magnussen qui a tenté à l'intérieur et on s'est... Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle par contre, parce que Rosberg, lui, a peut-être augmenté son rythme. J'ai intérêt à vite me dépêcher. Il nous reste quoi, 3 tours à faire. Alonso en seconde, bon c'est mort. Ça c'est mort par contre pour Alonso. On ira pas le chercher, ça c'est sûr. On va essayer de s'éloigner le plus possible de Rosberg, c'est ce qui compte. Les gommes rouges marchent super bien ici. On a quand même raté quand même des gros points malheureusement. Encore une fois, bon ça c'est une erreur vraiment bête mais bon c'est la vie. Et on remonte vite sur Orlando quand même, je trouve. Rosberg est en train de remonter aussi, je te trouve, il est en train de revenir un peu. Deux secondes 4, on va surveiller l'écart quand même. Cette seconde. 3 secondes 5, donc ça va, on a repris un peu d'avance encore sur Alonso.
Ouh, le libre qui nous a décalé sur le côté là. Et on a gagné un peu de temps encore sur Alonso, on est à 6 secondes. Bon, ça va quand même être juste pour niveau temps, là il reste un tour et demi. Et mes gommes commencent aussi à glisser donc. Ouais, 6-8. Je crois qu'il n'y a pas encore le point du meilleur tour, hein, par contre, en 2014. J'ai complètement raté mon virage, génial. Bon, sauf problème mécanique, ça devrait aller pour la cinquième place, qui est plutôt une très très bonne place, honnêtement. Et victoire de Ricciardo. Ouais, j'ai même pas touché l'enrichissement et j'ai bien fait. Eh ben une très très belle cinquième place, honnêtement, on aurait même pu viser plus haut, hein. Franchement, au vu du rythme global. Gain in one fastest lap. Ouais, genre les écarts finaux. Honnêtement, regardez les écarts. 7 secondes avec un peu moins de 7 secondes avec Alonso et 10 avec Vettel. Tant vous dire que mon erreur à 12 secondes, on pouvait être sur le podium. C'est dommage. C'est dommage, mais bon, on va quand même pas se plaindre, hein. 5e c'est très très bien. Du coup, Ricciardo qui remporte la course devant Hamilton, Vettel, Alonso, nous-mêmes, Nico Rosberg, Massa, Raikkonen, Bottas et Hülkenberg. Du coup, c'est parfait au niveau championnat. Puisqu'au niveau championnat pilote, bon, on gagne un peu de temps sur les Williams de Massa et on a un peu 200 points de retard quasiment, hein, sur Rosberg. Et en termes de constructeurs, là ça va être très important ce qu'on a fait. 80 points, donc s'éloigne encore plus de McLaren, ça c'est très très bien. Bon, comme je disais, de là chercher Williams, peut-être pas rêver. Mais c'est quand même très très bonne nouvelle. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine course qui sera peut-être au Japon, il me semble. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!